Какой школе ты учишься? Когда скапшни. Почему ты не перешла в колледж? Хакаш покаш французскат. Ce film, il est né d'un constat, c'est qu'on ne tire pas assez profit du fait que dans les classes qui accueillent des enfants nouvellement arrivés, eh bien, ceux-ci se trouvent dans une situation de plurilinguisme. Et pourtant, les recherches en sciences du langage ont montré qu'on apprend toujours une langue en référence aux langues qu'on connaît déjà. Bien, tout à l'heure, vous me l'avez transformé à la forme négative. Qui me transforme la phrase arabe à la forme négative maintenant ? Non. En français, je vais dire « la gomme n'est pas sur la table ». Et celle-ci, comment je vais la dire ? Elle m'y m'a donné « leïsa » « alatawila ».« Leïsa alatawila ». Elle m'y m'a donné « leïsa alatawila ». On est d'accord ? Elle m'y m'a donné « leïsa hatalawila ». Alla Tawila. C'est pas Leïsa. Ah, c'est peut-être moi qui l'ai mal entendu, tu sais. Leïsat Tawila. Alla Tawila. Leïsat Ta'alla Tawila. Il y a un mot qui dit non, alors. Là-dedans. Quel est le mot qui dit non? Leïsat. Oleg, d'après toi, quel est le mot en arabe qui va dire non? Est-ce qu'on a changé quelque chose dans cette phrase? Oui. Quel mot? Qu'est-ce qu'on a changé? Sept. Dis-le. Lei. Leiset. Leiset. C'est ce mot, les autres, qu'il faut trouver. En russe. Sterka ligit nastali. Alors, tu vas nous la prononcer, on va essayer de trouver s'il y a un mot qui dit non. Sterka ni ligit nastali. Sterka ni ligit nastali. Qui peut la redire? Vas-y. Sterka ni ligit nastali. Sterka. Ni légit na stali. Qui peut venir au tableau? Un élève qui ne parle pas russe, c'est trop facile. Pour venir me rajouter les mots ou le mot qui dit non. On va voir où est-ce qu'il est. Écris-le. Écris-le. Sterka ni légit. Sterka ne légit. Non. Nye. Nye. C'est encore. Fais-moi les gestes que j'arrive bien à le repérer, ce sont. Comme ça, N. Mettre comme ça. N. Et après. Mettre comme ça. N. 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 Nye. 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 Et on peut changer. On peut faire. Stjorka ne légit nastali. Et on peut faire stjorka légit ne nastali. Ah, tu peux le placer ailleurs. Oui. D'accord. Il y a deux façons. Oui. Nastali. Je l'écris un petit peu mieux. D'accord. Donc pareil, un mot qui va dire non. Donc finalement, les systèmes sont un peu pareils dans les trois langues. Pour dire une phrase non, une phrase négative, eh bien, je vais rajouter un petit mot. Hein? Qui est-ce qui vient maintenant me les effacer, me les remettre à la forme affirmative? Lis-nous-la d'abord. Terka ne ligit nastali. Est-ce que... Elle nous l'a bien dit. Oui. Oui, à peu près. Alors, efface-nous les mots qui disent non. Né. Né. C'est bon? Oui. On est d'accord? Oui. Bien. Et bien alors, finalement, j'ai trouvé en russe, en français et en arabe mes mots qui disent non. Français, ne pas qui entoure le verbe. Ça, c'est en arabe, la heiset, et en russe, ne. Voilà. D'accord? Ce qu'il faut se souvenir maintenant, c'est qu'il faut faire la transformation. Il y a des élèves qui parlent l'arabe, qui oublient de me mettre le « et » et qui oublient de me mettre les « ne pas » de chaque côté du verbe. Quant à Oleg, je comprends peut-être pourquoi souvent il me dit « la gomme ne est sur la table ». Parce qu'est-ce qu'il fait, Oleg? Il me met qu'un mot, souvent.
Parce qu'il oublie, effectivement, qu'en français, on va devoir fonctionner avec les deux mots et les placer à côté du verbe. D'accord ? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des universaux du langage, c'est-à-dire que il y a des façons différentes selon les langues, par exemple de marquer le pluriel ou bien d'utiliser la prosodie pour exprimer la colère ou le respect. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de comparer dans la classe, selon les langues des enfants, quels sont les points communs et quels sont les points différents selon les langues à tous les niveaux linguistiques et communicatifs. L'objectif, c'est vraiment que l'enfant puisse comprendre qu'il peut s'appuyer sur des scripts maternels pour aller vers le français. Allez, montre-moi ta main gauche, Moustapha. Ma main gauche, elle est là. D'accord. Montre-moi ta main droite, Aïssam. Voilà. Ta main gauche, Bouchra. Oui, ta main droite, Dounia. Ta main gauche, Soukaina. Voilà. Alors, en arabe, on écrit de gauche à droite ou de droite à gauche ? Belkacem. En arabe, on écrit droite à gauche. Voilà, de droite à gauche. Et en français, Bouchra. On écrit à gauche à droite. De gauche à droite. À droite. Comment tu ouvres ton carnet, Dounia ? Comme ça. Et si tu prends un livre qui est écrit en langue arabe, comment tu vas l'ouvrir ? Comme ça. Comme ça. C'est exactement l'inverse, d'accord ? À droite. C'est le français. Cette démarche, elle est donc véritablement interculturelle, c'est-à-dire qu'elle s'éloigne des stéréotypes où chacun sera un prototype de sa langue et de sa culture. Ce qui a d'ailleurs dévalué cette notion d'interculturalité. Ici, la démarche interculturelle, c'est un moteur pour les élèves, c'est-à-dire qu'on se centre sur leurs expériences pour leur donner envie de s'exprimer. Les enfants, on a travaillé sur un imagier. Qui peut m'expliquer qu'est-ce que c'est que cet imagier ? C'est un imagier... On fait une langue russe, une langue arabe et une langue française. On doit écrire les mots en russe et en arabe et en dessous on écrit en français. On l'a fait sur l'ordinateur. Oui. Bien, qu'est-ce qu'on a fait exactement sur l'ordinateur? Youssou. On dit un microphone. Oui, on a enregistré. Les mots. Les mots. En quelle langue ? En russe et arabe. En russe et en arabe. Alors moi, je propose un mot de l'imagier qui est le mot éponge. Est-ce que, Oleg, tu peux nous dire ce mot éponge, une éponge, en russe ? Alors dis-le bien fort, qu'on l'entende bien. Тряпка для вытирания доски. Fatih, toi aussi, tu sais le dire. Qui veut essayer ? Walid. Trak musdi. Est-ce qu'il a bien dit ? Non. Pourquoi tu n'y arrives pas ? Mais je peux pas. Je sais pas la langue en russe. Comment est-ce qu'on le dit en arabe ? Walid, une éponge. Ponja. Ponja. Ah, déjà, il est plus court. Donc c'est vrai que pour mon oreille, c'est plus facile. Ponja, j'arrive bien à le prononcer celui-là. Celui-ci là-bas est long. Et un mot long, c'est peut-être difficile d'arriver à le garder dans sa tête. Alors maintenant, vous n'êtes plus dans la classe avec moi, vous êtes dans vos écoles respectives. Dans quelle école tu es, toi, Zainab ? Capuchiné. À Capuchiné, en quelle classe ? CM2. CM2, et toi ? La placette. CM2 aussi ? CM2. Fatih ? Aussi la placette, mais un CM. Qu'est-ce qui est difficile ? Qu'est-ce qui a été facile pour toi ? Facile, c'est les maths. Facile, ce sont les mathématiques ? Oui. Ouais. Pourquoi ? C'est plus facile que le français ? Un peu, oui. Ouais. Parce que on ne doit pas apprendre les maths comme les français. Ça change pas. Combien y a-t-il de...
de lettres dans l'alphabet français? Abdelmoula. Il y en a 26 lettres. Voilà, il y a 26 lettres. Et dans l'alphabet arabe, Fatima? 28 lettres. L'alphabet, il est fait de quoi? Quelle sorte de lettres? Comment on les appelle? Abdelmoula. Il y a les consonnes et les voyelles. Et voilà, il y a les consonnes et les voyelles. Combien existe-t-il de voyelles en arabe? Il y a 3 voyelles en arabe. D'accord, il y a 3 voyelles en arabe. Quelles sont-elles? Quelles sont ces voyelles? Soukaina. A, ou, I. Hein, ce sont les 3 voyelles qui existent en arabe. Les consonnes en arabe, combien y en a-t-il? Il y a 25 consonnes. Donc il y a 25 consonnes arabes. Est-ce que vous êtes capable de les dire? Toutes les consonnes? Non, c'est difficile. C'est difficile? Dis-en quelques-unes alors. Kha, A, Cha. Voilà, j'essaie. Ra, A, Cha. C'est difficile pour moi. Hein. Moi, j'ai du mal. Pour moi, si je veux apprendre l'arabe, ce qui sera difficile, ça sera quoi? Quelqu'un te dit le consonne quelque chose, tu ne comprends pas. Voilà, j'ai du mal à les distinguer. Et puis, j'ai du mal à les prononcer. Hein? Ça, c'est, voilà. Alors maintenant, en français, combien il y a de voyelles, attention, à l'écrit, hein? A, E, I, En LED, O, O, U, madame, U, Y. Alors déjà, vous remarquez quoi entre l'arabe et le français? En arabe, c'est il y a 3 moins qu'en français, parce que le français a 6. Plus les élèves s'impliquent et plus ils prennent en charge leur apprentissage. Et donc, on est dans une véritable co-construction de l'apprentissage du français, sachant que les élèves rentrent en interaction avec l'enseignant qui, lui, va également s'impliquer pour comprendre quelles sont les erreurs des élèves. Toi, finalement, par rapport aux autres élèves, les élèves français connaissent qu'une langue. Hein? Pour eux, apprendre une langue à l'école, c'est quelque chose de nouveau. Mais pour toi, c'est pas difficile. Tu l'as déjà fait. Puisque tu parles l'arabe et tu as appris à parler le français. Alors, si tu apprends maintenant l'espagnol, ça te gêne? Non. Non? Je sais pourquoi ça se gêne pas. Parce que maintenant, on sait la technique, comment il faut apprendre les langues. Bien, alors les enfants, nous avons un problème sur les mots que nous avons étudiés, notamment sur le mot « gomme », puisqu'en français, on ne va pas dire « gomme », on va dire « la gomme ». Devant le nom de « chose », eh bien, on utilise un petit mot qui s'appelle un article, voilà. C'est ce mot qui va me dire si ce nom est au féminin ou s'il est au masculin. C'est ce mot aussi qui va me permettre de savoir si c'est du pluriel ou du singulier. D'accord? Et vous ne me l'avez pas mis? Parce qu'en russe, il y a la fin, il y a, comme il y a plusieurs, c'est i, et comme... Le pluriel, c'est i. Oui, pluriel. Oui. Et une gomme, c'est pas beaucoup. C'est surka. C'est comme ça. Bon, alors écoute, je vais le noter, je vais prendre un aimant, et donc je vais marquer ce que tu me dis en russe sur le pluriel. Donc c'est la lettre I. Mm-hmm. Ah, c'est pratique, dis-moi, pour écrire. Tu l'entends, cette marque du pluriel? Oui. Est-ce qu'en français, si je dis gomme, est-ce que vous savez si c'est au pluriel ou au singulier? Non, c'est les gommes, c'est comme ça. Ah, c'est ce mot qui va nous annoncer s'il y en a un seul ou s'il y en a plusieurs. Mais en plus, à la fin, il y aura aussi, comme en russe, une lettre. Quelle lettre? S. S. Est-ce qu'on l'entend? O. O.
Ce qui est intéressant aussi pour l'enseignant, et c'est là où son rôle est un peu différent du rôle traditionnel, si on peut dire, c'est que lui-même se trouve dans une situation interculturelle. C'est-à-dire que lui-même n'a pas connaissance de certains acquis qu'ont les enfants. Et donc, lui aussi se trouve être à même de découvrir ces différences. Et aussi, les points de similitude. Mais je vais te donner une autre feuille. C'est une trousse. Au Maroc ou en Algérie, quand vous voulez dire « c'est super », quel geste vous faites, comme Mustapha? Comme ça, super. Comment tu fais, Belkacem? Comme ça. Alors, c'est super. Comme ça. En français, comment on fait en France? Comment on fait? Ah oui, on dit comme ça, c'est super. Comment vous faites pour dire ah, « je ne te crois pas », alors là, je ne te crois pas. Aïssam, quelqu'un te parle et tu ne le crois pas. Comment tu fais, Soukaina? Ça veut dire je ne te crois pas. D'accord. En français, qu'est-ce que c'est? Vous savez pas ce qu'on fait? Non. Dounia? Qu'est-ce qu'on dit là? Mon œil. On dit mon œil. Vous le connaissez ce geste? Oui. Vous le connaissez? Est-ce que vous le faites au Maroc ou en Algérie? En Algérie, vous faites. Oui. En Algérie, tu fais ça. Où ça? Où ça? Oui. Comment vous faites pour dire il est fou? Madame. Comment tu fais, Belkacem? Comme ça, oui, c'est ça. C'est pareil. Voilà, c'est pareil. Comme ça, Zaza. Voilà. Comment vous faites pour dire viens ici? Viens ici. Dans cette situation, chacun est expert. Les enfants sont experts de leur langue maternelle, ce qui n'est pas le cas de l'enseignant qui ne les connaît pas forcément. Et l'enseignant est expert des connaissances à organiser sur le français. L'enseignant va donc rentrer en empathie avec les enfants pour comprendre le fonctionnement des systèmes de leur langue maternelle. Et ainsi, il va se rendre compte, et cela au-delà même des activités de comparaison, pourquoi il peut y avoir récurrence de certaines erreurs. Alors, écoutez-le bien. Je vais d'abord vous le donner en arabe. Mimhatoun. Mimhatoun. Tout le monde l'a entendu? Oui. Dans chaque équipe, il y a un élève qui parle l'arabe et qui peut donc redonner le mot. Les différents types d'interactions qui émergent de ces activités sont très variés. On a des interactions verbales entre pairs, dans les moments de travail de groupe, ou bien dans les moments où on discute en classe d'un point à comparer. Et on se rend compte à ce moment-là qu'il y a régulation entre les enfants. N'hésitez pas à contrôler ce qu'il écrit. Hein. Mim. On a également des interactions verbales où les enfants d'une même langue essayent d'entendre puis de comprendre d'autres langues, et pas uniquement le français, ce qui renforce finalement la relation à l'autre et aux autres. La gomme. Alors on va regarder dans les trois groupes. Qui est-ce qui peut me lire ce qui a été écrit ici? C'était dans quel groupe? Alors, Mohamed. Mimhatoun. Mimhatoun. Bien. Je vais retrouver M-I-M-A-T-O-N. C'est pas le on. En français, c'est on dira on. On, là. D'accord. Pourquoi vous avez mis un H ici? Parce que à arabe, peut-être existe le H. Mimhatoun. Est-ce que le H existe en arabe? Oui, oui, oui. Existe le H. Ça n'existe pas en français. Ah, le n'existe pas en français. Prononce-nous le ce. Comment est-ce qu'on le prononce? Pour le fabriquer, qu'est-ce qui se passe dans ma bouche? Où est-ce qu'il va à l'air? Il sort. Il sort? Non, il rentre. Il sort, il rentre? On le sent où l'air? Il sort. Ah oui. Parce que toi, si tu as oublié le chinois, c'est pourquoi? Parce que je ne l'ai pas utilisé. Mais si, par exemple, je vais en Chine, je vais être une semaine en Chine. Oui. La mémoire, elle est restée. Les mots, ils sont restés. Et après, j'ouvre la caisse où sont cassés ces mots. Et après, je comprends.
tu ouvres la caisse où sont cachés ces mots. La caisse, c'est quoi? C'est dans la tête? Oui, dans la tête. Ah, c'est comme une caisse. Il y a des mots qui sont cachés, oui, comme une caisse à jouer. On a oublié de jouer au fond. On ne peut pas l'ouvrir tout seul. Il faut que quelqu'un t'aide pour les ouvrir. Et quand vous dites l'armoire, j'ai aussi, en Russie, il y a c'est aussi plusieurs. Shkafy, ryby. Shkafy, c'est l'armoire, mais c'est plusieurs. Ryby, c'est le poisson, comme ils disent beaucoup. Mais je ne comprends pas là, ce que tu dis. I et U aussi, ça fait plusieurs. Tu as dû mettre I, c'est plusieurs. Oui, tu me l'as dit, à la fin du mot. Le pluriel, c'est I. I et U. U, ça n'existe pas en français. Ah, ça n'existe pas en français. Alors du coup, j'arrive mal à l'entendre, moi, dans mon oreille, ce son. Moi, je connais le I, mais l'autre son, je n'arrive pas. Dans cet exemple, on voit bien que l'enseignant prend conscience qu'il y a un filtre phonologique qui existe et qui empêche l'écoute de certains sons. Mais ce filtre, il existe aussi à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'une syntaxe particulière, du lexique particulier, et même au niveau des valeurs, eh bien, empêche ou peut entraver l'acquisition d'une nouvelle langue culture. Je coupe le mot ici quand je prononce. Oui. Il y a une forme de valorisation dans cette démarche. C'est-à-dire qu'on reconnaît l'élève en ce qu'il est d'une culture et d'une autre langue et que cela va l'aider à entrer dans le français. Laissa ta. À la taouila. C'est ça, Jacques? Tu es d'accord? Bien.